Bien à tous et à tous pour une nouvelle vidéo de nuit, comme bien entendu, ça change pas. Aujourd'hui nous allons faire donc, je crois que c'est le quai de l'Écluse, le quai du Moulin, je crois que c'est ça. Donc du coup on va faire ça, donc ça fait plaisir, on va voir pas mal de choses. Ouais, donc beaucoup de VM, hein, ça change pas, comme on a vu dans la vidéo du jour. Les VM, ils sont très bon état, ça éclaire bien, bon, pseudo bien sûr, hein, mais franchement ça va être bien. Donc je vais vous montrer tout ça, ça fait plaisir. Avec une petite sodium là, donc là, on va se mettre là, et pof, c'est parti, en mode nuit, des familles, et on va pouvoir avancer. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Non, du coup, là, on va regarder la petite VM qui est là. On va faire une petite photo au retour, après. Voilà, la VM des familles. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'en ai jamais. Ça fait un moment que j'en ai pas revu des VM en BF. En BF allumé. Ça rend vraiment bien. Ça doit c'est les années 70-80. Plutôt 80. Parce qu'il y avait encore. Peut-être 70 début 80. Parce qu'il y a encore les Douilles le Grand. Bon, du coup, voilà. Non, du coup, là, donc, on continue notre péripétie. Ah oui, c'est pareil. Il y a la fameuse lanterne que je voudrais bien voir. C'est la VM qu'on a eu avec la ballon jaune. La ballon jaune. BF jaune, parce que ballon jaune. Ça éclaire quasiment des masses. Vous imaginez que la lune, elle éclaire plus fort que la... Qu'il a une lune en elle-même. C'est calme, regardez, on voit le pont ici. Le pont de la rivière Kouai, comme dirait ma mère. Donc là, comme on le sait très bien, une solaire, ça change pas. Ah, la solaire, elle est complètement celle-là, par contre, elle est bouffée celle-là. Oh, wow. Ça change de... Ah si, ça va. Légèrement, mais ça va. C'est encore brillant. Donc là, on va peut-être passer encore en mode normal. Voilà, je pense que c'est bon là. Voilà. Bon. En face. Ah bah c'est évident. Déjà les BF. Elle est cramée. La BF jaune, elle est cramée. Non, je pense que c'était plutôt une BF qui était cramée réellement. Waouh! C'est pas de la BF. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de la BF. Donc là, le pont des familles. Les rani joyaux qui éclairent comme dingue. Alors on va râler. Ah ouais. C'est qu'on éclaire quand même bien les macadam. Donc la BF jaune, je pense que c'est une BF qui est cramée. Parce qu'elle est éteinte. On se remet en mode nuit. Ça, j'adore faire ça. Mode normal, mode nuit. C'est stylé. Donc une petite VM. Hein, qui est pas très dégueulasse, mais bon, si elle est dégueulasse parce qu'il y a des vacheries dedans. Mais le réflecteur est impeccable. Ça, par contre, ça fait plaisir. Quand on voit une VM avec le réflecteur en très bon état, c'est le principal. Bon, là, vraiment, on est en mode nuit. Dans le coup, là. Ah, mais ça, c'est sûr que avec des VM, on en voit souvent des cramés. Hein. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, la VM, je pense que la BF, elle a dû cramer. Vu comme elle est. Donc là, une petite BF qui arrive. Là, c'est pas souvent qu'on envoie des cramés des BF, mais là, ça fait plusieurs fois que j'en vois. Là, par contre, je voudrais bien voir les pouboules. Les bouboules. Alors, je pense qu'il y a de la lait là-dedans. Dans certaines, bien sûr. J'ai vu comme c'est. Ça éclaire des masses.
c'est magnifique. Donc là, on voit que c'est rééquipé en LED. Alors on va dire que maintenant les bouboules, c'est plus très légal. Je vous garantis, c'est vraiment coupe-gorge ici. C'est très glauque. Je vous garantis, c'est très glauque. Ah, la boule thyréandrique, elle est cramée. C'est con parce que j'aurais bien voulu voir une boule thyréandrique allumée. Il y en a vu une à Épernay, des thyréandriques comme ça. Je suis sûr que c'est celle-là qui est revenue. Je suis pas sûr, mais bon. Ça serait rigolo que c'est la boule qui est à Épernay qui est revenue là. Ça serait pas étonnant. La ville donnerait, la ville ferait un don de BF ou de boule pour des autres communes. Je suis sûr que ça fonctionne comme ça en fait. Fonctionner comme ça. Ok. Il y a qu'une belle petite BF. Une poule au pâle. Ah, chienne. Poule au pâle. Chienne, poule au pâle. Ça fait plaisir de voir des boules au pâle. Et Pernay, ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Voilà. Bon. On va essayer de s'éclairer avec ça, la BF. On va se mettre au plus près. Au plus près des étoiles. Ah, ça s'éclaire bien. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, bien entendu. Beaucoup de BF cramé, c'est bien dommage. On se retient quand pour une nouvelle vidéo, et comme d'habitude, bien entendu, bah c'est pas faux, hein.